Salut mes petites pattes moches sur YouTube, je vais donc vous faire un petit guide du débutant pour Flife Univers. Parce que beaucoup de choses ont changé par rapport à Flife Univers, par rapport à Flife PC de base. Donc premièrement, quand vous êtes vagabond, impérativement il faut monter les skills de vagabond. Tu dis mais pourquoi il faut monter les skills? J'ai jamais vu ça sur Flife PC. C'est peut-être simple, parce que au début du jeu, voilà, au début du jeu, le punk buff très peu et tu n'as pas de stats. Ah, j'ai 3 de toucher. Donc en gros, sans skill, parce que l'intérêt des skills c'est que ça a 100% de précision et que ça peut pas louper ni être paré. C'est-à-dire que tu toucheras à coup sûr. Hein, que si tu vas en mode auto-attaque comme sur Flife PC, bah tu toucheras jamais les mobs et tu mettras 3 plombes à monter level 15. Vraiment 3 plombes. Alors donc le truc important à faire, c'est de monter les compétences. Et je vous dis, la compétence là sert à rien, parce qu'elle coûte beaucoup de FP. Je vous conseille de mettre ça là niveau max, parce qu'en fait c'est une frappe multi-coup. En gros, tu vas faire 4-5 coups à la suite pour pouvoir rusher les mobs. Ça, c'est un point super important. Faire monter les compétences. Parce qu'en début de jeu, vu qu'il y aura le pan qui buff quasiment que dalle, t'as 4 stats, t'as 4 trucs à peine niveau 4 ou 5 de buff. Voyons voir si je peux me buff avec. Ah bah, il n'y a pas de pong ici. Donc voilà. Et aussi, vu que vous voulez monter à FS, donc au début, votre FS, il n'y aura pas de FS au level pour vous buffer à mort avec tous les buffs level 20. Et donc, au début, il ne servira pas à grand-chose non plus. Il va pas vous buffer énormément. Donc, premier point vraiment, vraiment important, c'est les foutus skills. Montez ce skill à fond. Parce que au level 15, tout d'ailleurs, ça va être reset. Vos points de skill vont être reset obligatoirement et en plus le jeu va vous donner un parchemin de reset de skill pour le level 60. Parce que le level 60 par contre, les skills ne sont pas reset. Pour ça le parchemin il peut servir à ça que vous obtenez au level 15. Deuxième point important, les stats. Alors quand vous êtes vagabond, ne mettez que de la force et de l'endurance. Vous mettez comme vous voulez, mais la dex servira à rien parce que le peu de dex que vous aurez fera à peine atteindre des paliers. Et les paliers vont quoi donner genre 2% de toucher. Ouais, de 3%, tu vas passer à 5. Ce qui sert strictement à rien. Le but du jeu, c'est de passer rapidement 15. Donc, mettez soit en force pour défoncer plus vite les mobs, ou soit en endurance pour un peu moins prendre cher parce que les mobs font minimum 2 fois plus mal que sur Flash PC. Vous allez voir, vous allez en utiliser de la bouffe. C'est moi qui vous le dis. Maintenant, troisième point important, il faut faire les quêtes. Il faut absolument faire les quêtes. C'est le point aussi ultra important du jeu. Pourquoi sur Flash PC, j'ai jamais fait les quêtes, ça sert à rien, ça rapporte pas d'XP. Or de 1, toutes les quêtes ont été retravaillées. Et donc elles donnent plus d'XP, mais elles donnent un nouveau truc. Vous voyez là mon magnifique inventaire? C'est quoi tous ces cadenas là? C'est très simple. Beaucoup de quêtes vont pouvoir vous permettre d'obtenir des emplacements d'inventaire. Parce que si vous allez là-dedans, en général, vous faites dans niveau, atteignez un niveau précis pour obtenir des récompenses. Ça, c'est le nombre de places d'inventaire que vous débloquez. Et au niveau 1, pour avoir le petit niveau 1, vous débloquez 40 places d'inventaire. Et en plus, quand tu as eu les 40 places, et tu peux récupérer une place d'inventaire en allant chercher dans les succès. T'as une récompense à chaque fois. Donc au niveau 1, tu auras une place, 2. Au 4, 2, je sais pas pourquoi il n'y en a pas pour niveau 3. RIP le niveau 3. 3, 3, après, jusqu'au maximum, au niveau 12, quand tu auras le succès au niveau 12, tu auras 12 places d'inventaire en plus de déjà que t'as, tout ce que tu as débloqué. Et aussi, truc important, parce que je l'ai vu, certaines personnes dans ma guilde ont pas fait les quêtes. Donc au level 60, moi qui ai fait toutes les quêtes, au level 60, j'ai eu full quête. C'est-à-dire du level 60 jusqu'à mon level 66, je n'ai fait que des quêtes. Bon, il y a certaines quêtes où j'ai tapé du mob, mais pas énormément. Donc du level 60 au level 66, j'ai fait que des quêtes. Et j'ai passé ça super rapidement, le level 60 à 66. Hein. J'ai fait que des quêtes. Or que ceux qui n'ont pas fait les quêtes ont dû recommencer depuis. Ont dû reprendre toutes les quêtes depuis le début, parce qu'en fait, t'as des quêtes, t'as des chaînes de quêtes. C'est si t'as pas fait le début, bah t'as pas la suite. Ce qui est logique. Ce qui est ultra logique. C'est vraiment important. Parce que maintenant, je vais vous montrer la différence entre mon inventaire. Voilà. Vous voyez?
Hop. Et donc sur ce jeu, j'ai... Voilà. Oh, en plus, j'ai passé un level. Regardez, je vais gagner 2 places d'inventaire. J'ai passé le niveau 4, j'avais même pas vu. Regardez. Pouf! De canard. Je même pas voulu, je l'ai débloqué devant vous. Je ne même pas voulu. Autre truc important à faire, c'est vous connecter tous les jours, parce que tous les jours, vous aurez des récompenses au pif. Si vous vous connectez 40 minutes, regardez. Tu vois, c'est tout l'objet que tu peux avoir. Il y a des trucs bien comme des trucs mauvais. Voilà, j'ai rien eu bien par la barbe à papa. J'ai bien touché plus 5%. Pareil, si vous vous connectez jour d'affilée, t'as 5, puis après, t'as aussi une connexion comme ça. Journalière, où t'as des récompenses. Aussi, niveau système, c'est t'as une recherche de groupe. C'est très simple. Vous appuyez sur P, si vous n'êtes pas dans le groupe, il y a le bouton recherche. Vous faites buff, parce que si vous cherchez TP, pour avoir un groupe TP, et pouf, et ça classe par TP là. Donc là, je peux direct rejoindre un groupe direct avec TP. Voilà, si vous cherchez juste TP. Alors, dans le jeu aussi, il est conseillé de XP en groupe à 8 dans la même zone. Parce qu'en fait, le bonus d'XP va jusqu'à 150% si tout le monde est assez proche de soi quand on XP en groupe. Ah oui, aussi, petit point important, vous ne pouvez plus faire de duo level 1 avec votre personnage, parce que ça rapportera plus d'XP. Il faut minimum 19 levels d'écart. Maximum, je dirais. Maximum 19 levels d'écart. C'est ultra important, ça. Ah oui, le buff point qui dure que jusqu'au niveau 30. Hein. Aussi, toutes les quêtes IQ où il faut récupérer les objets des monstres, bah, elles ont toutes été réduites de moitié. Tout ce qui est set ou buff d'armes, bah, ça a été... très réduit, et maintenant je vais vous parler d'un autre truc très important qui permet de faciliter très largement le stuff que vous voulez vous mettre. Vraiment très important. C'est que dans le jeu, vous connaissez les géants ont repris une part importante dans le jeu. Hein, vous voyez là, je suis le canal à 5, le truc est full. C'est que le jeu a incorporé un nouveau truc, ce sont les géants violets. C'est quoi les géants violets? Ça sert à quoi? Et tout le bordel. C'est très simple. Les géants violets, c'est un nouveau type de géant sur lequel tu pourras drop tous les parchemins d'upgrade du jeu. Donc tu pourras choper les S Pro, les G Pro et les A Pro. Donc pour monter l'équipement attaque-défense, augmenter les bijoux et percer les équipements. Et sauf que, comme vous voyez, là j'ai mis le parchemin S Protect Bar. Et donc sur les géants violets, t'as un parchemin qui tombe très facilement, c'est le Est Protect Bar. Par exemple, je me suis déjà vu niveau 40, je suis allé taper un géant violet niveau 16. Donc j'ai largement plus de 20 levels d'écart. Et avec un groupe TP, même sans groupe TP, j'arrive à choper 1 à 3 parchemins sans groupe TP. Bon, des fois, il drop que dalle. Et si jamais vous faites les géants avec seulement 8 levels de plus, tu es sûr de drop au moins un parchemin. Si c'est en dessous, si t'as plus de 8 levels de plus, c'est plus sûr, parce qu'en général, je drop un géant sur deux quand je ferme les géants. Et donc, ça permet de choper plein de S Protect Bar. Vous voyez, j'en ai plein là. J'en ai 50. Ça, c'est un truc que tu peux pas acheter. Tu peux acheter au joueur, mais c'est pas un truc qui est dans la boutique payante. C'est un truc que tu peux que drop ou acheter au joueur. Et donc, c'est quoi? À quoi ça sert? Pourquoi ça s'appelle S Protect Bar? S Protect Bar, c'est parce qu'il a une mécanique. C'est quand tu améliores un item, si jamais ça échoue, l'item n'est pas détruit, je vous rassure, mais il baisse d'un niveau. Genre, si tu voulais monter plus 4 et qu'il échoue, il va repasser plus 3. Donc, vous dites, mais c'est de la merde, ça sert à rien, ça sert à rien, on perd des niveaux d'amélioration. Non, ça sert pas à rien. Ce qui permet donc de monter facilement et à bas prix tous vos équipements minimum plus 5. Donc, déconseillez le plus 6 parce qu'il y a un truc un peu merdique par rapport à l'upgrade des équipements, je vais vous en parler après. C'est que je vous conseille de le monter. Plus 5. Grâce à ça, vous pouvez monter facilement tous vos équipements plus 5. Franchement, c'est pas trop dur. C'est en général, ça échoue au maximum 4-5 fois, moi, pour moi dans mon cas. Regardez, la preuve, c'est j'ai tout mon set plus 5. Même mon arme et mon bouclier sont plus 5. Grâce à ces parchemins. J'en ai 50 encore. Donc j'ai dû en utiliser une quarantaine. Voilà, pour tout mettre plus 5. Hein. Donc pour mettre... Voilà, et bien sûr, pour mettre jusqu'à plus 3, il n'y a pas besoin de parchemin. Je vous rassure. J'ai dû en utiliser une vingtaine, trentaine plutôt. Voilà.
Maintenant, l'autre point important, pourquoi je dirais de pas monter plus 6, parce que les probabilités à plus 6, ça commence à être hardcore, mais c'est surtout en fait à cause d'une mécanique, les dés. Ça a changé, c'est plus les pièces de riz, c'est les dés. C'est que les premiers dés permettent de monter de 1 à plus 5. Et donc, pour monter de 6 à plus 10, donc quand vous êtes à plus 5, il faut changer de dé. Donc, si jamais échoue, le jeu va pas pouvoir chaîner parce qu'il y a le truc d'amélioration, comme on faisait sur Flash PC, où tu mettais tous tes parchemins, toutes tes pelles, tes théories, tu disais je vais aller jusqu'à plus de 8, puis le truc va automatiquement lancer les étés jusqu'à atteindre le plus de 8. Même si ça échoue, ça continue jusqu'à atteindre le plus de 8, ou jusqu'à ce que tu aies un des prérequis d'item qui soit vide. Bah là, le problème, c'est que si tu fais ça, genre, tu veux monter plus 6. Si jamais à plus 5, plus 6, ça échoue, ça retombe à plus 4. Bah, en fait, tu dois changer de dé. Ça peut être couillon, ça peut pas le faire en boucle. Pour ça, je vous conseille de le mettre que plus 5 avec les dés. Vraiment, c'est ce que je vous conseille. Et maintenant, l'autre point important, et je trouve le point noir de jeu, c'est que maintenant, pour monter les équipements, il faut farmer des mobs. C'est des mobs level 15, ils ont 100 000 HP, ils attaquent pas. Il faut récolter avec un collecteur leur cadavre. Donc il faut déjà les tuer, ils ont 100 000 points de vie. Alors ils font pas mal, mais c'est très chiant. Mais c'est surtout que beaucoup de joueurs les farment. Les farment à mort. Et donc c'est quasiment impossible d'en obtenir. Et sinon, faut les acheter aux joueurs et ça coûte une blinde. Je vous jure, ça coûte une blinde, c'est abusé. Et donc pour monter les équipements, c'est-à-dire les trucs d'armure, machin, il faut surtout des minerais et des éons. Et ça, t'en trouves jamais, alors que les Krasek et Guru, c'est pour faire l'élémentarisation. C'est-à-dire mettre votre arme plus 1 feu, vent, terre, machin, ou votre armure et tout le bordel. Alors ça, t'en trouves partout, ça. Aucun mal à en trouver. Mais ça, putain, pour trouver les mobs, c'est bonne chance. C'est vraiment bonne chance, ça. Voilà, donc je pense avoir tout dit pour les principes essentiels. Ah oui, non. Non, j'ai oublié de parler un petit truc. C'est un rework plutôt pas mal. C'est sur les colliers. Sur les colliers passion et mental. Truc que sur Flash PC, personne n'a jamais touché de sa vie. Alors que ça ne servait à rien d'avoir plus d'FP. Ils ont mis un petit truc. Ils ont mis un petit truc en plus dessus. Genre, vous voyez, rétention de FP par attaque automatique plus 8. C'est-à-dire, quand je vais mettre des autos, quand elle va toucher, je récupère 8 FP. Et vu que dans ce jeu, les skills sont assez importants. Par rapport à Flash PC, parce que Flash PC, tu vas qu'à l'auto. Et ben là, ça permet de chaîner les compétences. Non, pas de les chaîner, mais de pouvoir spammer un peu les compétences. Sans s'inquiéter de son niveau de FP, d'acheter plein de potions de régène FP. Et que les mentales, c'est pareil. Sauf que c'est pas des auto-attaques, c'est quand tu tues un ennemi, t'as une régène de MP. Elle est plus élevée. Genre, j'ai vu, je crois que plus 3, c'est 48 MP régénérés à la mort de la cible. Donc, les colliers deviennent viables. En dehors du collier gore pour ajouter des HP. Voilà. Donc sur ce, je pense que vous avoir tout dit sur bien commencer sur le jeu et je vous dis bonne journée et bonne chance pour votre aventure. Sur ce, salut, salut!